Hey, bonjour à toutes et à tous, ici Jeux60 pour une nouvelle vidéo cette fois-ci. Je suis tout seul, alors c'est pas une vidéo délire, ça va juste être une petite vidéo pour vous expliquer un peu ce qui va se passer prochainement sur la chaîne. Alors, vous en serez sûrement rendu compte, mais il n'y a plus beaucoup d'uploads de vidéos de mode infection. C'est pas pour rien, c'est parce que en fait j'ai... Bah, vous avez vu ma vidéo coup de gueule contre Ascensia, c'est vraiment que cette série, enfin ce serveur, je lui crache sur la gueule. C'est... Franchement, Ascensia, bah, vous avez vu mon coup de gueule, je trouve que ce serveur, il est mal fait, il est mal géré, les admins sont à chier. Et apparemment, les admins sont tombés sur ma vidéo donc de coup de gueule contre Ascensia, donc j'ai en essayant de me connecter il n'y a pas longtemps, je me suis rendu compte que j'ai été banni jusqu'en 2064. Donc je viens de me rendre compte que jusqu'en 2064 je pourrais pas faire d'Infected. C'est dommage, mais en même temps ça me laisse un bon prétexte pour arrêter les vidéos, parce que enfin les vidéos sur le mode Infected, parce que franchement Ascensia, j'en avais ma claque de ce serveur, j'en pouvais plus, je le détestais. Et maintenant j'y crache ouvertement sur la gueule, je n'ai plus rien à foutre. Ensuite, on va directement embrayer, on va passer sur l'atelier Askin. Donc vous voyez que j'upload de plus en plus de vidéos de l'atelier Askin ces jours-ci. Donc ça a plusieurs significations. De 1, j'aime ça. De 2, c'est facile à faire. Le montage prend pas beaucoup de temps, c'est pas du foutage de gueule sur la vidéo. C'est vraiment, je me relaxe tranquillement quoi. Et c'est principalement pour ça que j'aime bien faire les vidéos. Après, j'aime bien faire des skins, je trouve ça drôle, ça m'éclate et tout. Donc pour en venir, que en fait, ces temps-ci, j'avais promis beaucoup de skins à des personnes. J'ai pas réussi malheureusement à tout faire parce que le problème, c'est que les personnes en question, elles étaient beaucoup. Et franchement, j'ai pas su satisfaire toutes les demandes. Je crois que j'ai su satisfaire aucune demande. J'en suis réellement désolé, mais donc là bah, proposez-moi vos skins que vous auriez envie que je fasse, même si c'est pas des skins pour vous, genre des suggestions, genre essaye de faire un skin comme celui-ci, et bah proposez-le moi et je pourrais peut-être essayer d'en faire un pour vous. Alors encore une fois, je ne saurais pas satisfaire toutes les demandes, mais proposez toujours dans l'espace commentaire les skins que vous auriez peut-être envie qu'on vous fasse. Et alors j'essaierai de vous en faire comme ça vous fera beaucoup de vidéos l'une après l'autre de l'atelier Askin. Et comme ça vous avez votre propre skin fait par un expert. Je déconne. Et donc voilà. Ensuite pour ce qui est de l'upload des vidéos, vous avez remarqué ces temps-ci j'upload de moins en moins de vidéos. Pourquoi? C'est très simple, c'est parce que en fait j'ai plus beaucoup le temps avec l'école, les cours qui ont repris et tout. Surtout que le montage des vidéos, c'est un peu galère à faire, à jongler entre les loisirs, l'école et ainsi de suite. Donc c'est un peu galère de faire des vidéos. Surtout que cette fois-ci, vous avez remarqué, j'en fais de plus en plus avec Zorobo974, donc c'est vraiment un pote pour moi. Sauf que lui, il habite à La Réunion, donc je crois on a 2 heures de décalage horaire. Donc c'est vraiment galère pour se retrouver, faire des vidéos et ainsi de suite. Donc j'en suis désolé. Normalement, d'ici la Toussaint, donc c'est début novembre, je devrais recommencer à en refaire et je vais essayer de maintenir ce rythme, mais ce sera pas possible. Sinon, ah bah on va rester à parler de robots. Donc il y a son serveur qui va bientôt ouvrir. On vous donnera l'IP, on fera quelques petites vidéos de présentation. Allez voir sur sa chaîne, c'est Construction de la ville Minecraft, c'est la série qu'il faut aller regarder. Il bosse petit à petit sur sa ville pour son serveur quoi. C'est franchement très intéressant, on apprend beaucoup de trucs et alors sur les différentes villes du serveur. Donc son serveur va bientôt ouvrir, donc moi je vous conseille d'aller dessus juste pour voir. Parce que, enfin d'aller dessus quand il ouvrira, de voir nos vidéos. Parce qu'on y attelle beaucoup de notre temps maintenant, moi et Robo, quand on se parle, on va directement sur le serveur parce qu'on est à la bourre, on se sent obligé d'aller bosser sur le serveur sur nos villes respectives. Donc on essaie de vous maintenir au courant, mais bon, pour ceux qui se demandent, et bah effectivement Robo va bientôt ouvrir son serveur, c'est plus qu'une question de semaine je crois. Il sera très petit, il n'y aura que 2 villes parce qu'on a été lâché par beaucoup d'admins en chemin. Je pense notamment à LPK77, donc ça c'est plus pour ceux qui suivent la chaîne de Robo.
LP était censé faire une ville, mais il nous a lâchés. Et Fox, donc Fox 3DX, encore une fois, pour ceux qui suivent la chaîne de robots, lui, il a eu des problèmes avec son PC, donc il arrivait plus souvent à se connecter. Est-ce qu'il arrivera à terminer sa ville à temps? Je sais pas, mais en tout cas, moi et Robo, on bosse à fond sur Meoville. On espère pouvoir les terminer. On espère pouvoir les terminer le plus vite possible pour pouvoir vous proposer un serveur assez sympatoche. Et voilà. Pour ce qui est de Nexus, j'ai vu que vous étiez vraiment très enthousiaste vis-à-vis de cette série. Faut vous dire, sur Skype, j'ai reçu beaucoup de messages pour me dire, ouais, c'est quand que tu uploads la saison 2 de Nexus, c'est quand que tu refais du Nexus, ainsi de suite. Je suis vraiment content que ça vous plaise cette série, parce que moi et Robo, on passe nos... Enfin, les trois quarts de notre temps, on le passe à faire du... à bosser sur notre serveur. Et le quart restant, on fait de l'annihilation, enfin du Nexus. C'est vraiment quelque chose qui nous plaît, on est ravis que ça vous plaise autant, l'annihilation. Et voilà. Donc, je pense qu'on devrait en upload d'ici... Enfin, la saison 2, bien sûr, elle va se finir normalement en 4 épisodes, comme la saison 1. Et on espère pouvoir faire une saison 3, une saison 4, enfin bref, parce qu'il y a beaucoup de maps à tester. Enfin, vraiment, ce sera un truc de ouf, quoi. Donc, on vous propose encore plein de saisons de Nexus, vu qu'on voit que ça vous plaît toujours... Enfin, qu'on vous plaît autant. Ensuite, pour ceux qui ont vu avec Robo, j'avais commencé une série qui s'appelle la Zeus and Robot Adventure. Enfin, j'en ai pas encore parlé avec Robo, mais moi perso, je suis pas vraiment sûr de continuer. Pourquoi? Parce que la série, elle a pas eu beaucoup de succès. Je vois ça dans les commentaires, il y a pas vraiment beaucoup de gens qui ont mis des commentaires positifs. Même chose sur Skype, normalement, je reçois tout le temps des messages me disant, ouais, elle est cool ta vidéo, c'est quand que t'en y peux de plus. Là, sur Zeus and Robot Adventure, j'en ai pas reçu beaucoup. D'ailleurs, je suis sûr, là où vous êtes la moitié à pas savoir de quoi je parle. Mais donc voilà, on espère que la série aura un peu plus de succès. Aura plus de succès dans le futur. Sinon, je crois pas qu'on va continuer à upload. En tout cas, la Zeus and Robot Adventure, c'est dommage parce qu'on a tourné beaucoup d'épisodes. On s'est éclaté à fond là-dessus. Mais bon, si ça a pas de succès, on. Je crois qu'on préférera plus upload des vidéos qui vous plairont plutôt que de passer notre temps à upload la Zeus and Robot Adventure si ça vous plaît pas. Donc vraiment dites dans les commentaires si la Zeus and Robot Adventure vous plaît et s'il faut continuer. Alors je veux bien qu'on a eu un premier épisode vraiment pas terrible. Mais pour les prochains on se réveille. Et j'espère sincèrement que vous avez envie qu'on continue parce que c'est pas vraiment la peine de continuer si ça ne vous plaît pas. Donc voilà, c'était un petit récapitulatif de la chaîne. Donc en petit résumé, j'ai été ban d'Ascensia, donc il n'y aura plus de vidéo en Infected. Mettez dans les commentaires si une idée de skin que je pourrais réaliser pour vous ou simplement pour le fun et j'essaierai de traiter beaucoup de demandes. Donc le serveur de robot, les vidéos avec robot, donc le Nexus, enfin l'annihilation, je veux dire, et la Zeus and Robot Adventure. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce vert, à partager avec tous ceux qui s'occupent de l'actualité de ma chaîne. Comme ça, ils sont vraiment au full courant de ce qui va se passer. Ah ouais, le rythme du upload aussi, ça j'ai oublié. Et donc voilà, on se retrouve pour de prochaines vidéos. Et à bientôt sur ma chaîne. Allez, salut tout le monde.